Pierres sont fréquemment citées pour étayer la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme. Mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace, par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse.